Bonjour à tous et à toutes mes petites tomates gentilles, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette deuxième vidéo analyse Catch a Life FR. Et avant de commencer, je voulais surtout vous remercier pour tous vos retours ultra positifs sur ma dernière vidéo analyse. Et oui, parce que vous avez été ultra sympa, mais vraiment, c'est incroyable. J'ai jamais eu de retour aussi positif pour une vidéo, donc vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de vous remercier. Et merci, merci beaucoup, ça donne vraiment envie de continuer. Et du coup, je vous ai goûté une nouvelle chaîne YouTube Gacha, qui est donc la chaîne de GachoCookie, qui comptabilise 27 abonnés, pardon. Et donc aujourd'hui, on va analyser Mon Alpha est un pervers, Gacha Life, épisode 1. Alors, je sais que c'est une série, mais on va voir tout simplement si cette série... Je vous la conseille de la regarder, parce que mon but, c'est de faire ça, surtout quand il y a un épisode 2, qui est juste là, même un épisode 3. Donc voilà, si vous voulez regarder cette série, ben, je vous la mets en description. Donc aujourd'hui, on va l'analyser. Alors... Petit rappel sur le barème de plusieurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 3 points pour le montage, 8 points pour l'histoire et l'originalité, 5 points pour l'orthographe, 1 point pour la musique et 3 points pour la miniature, ça fait une note sur 20, et avec cette note, on peut trouver donc des appréciations. Donc, petit rappel aussi de l'article L122-5 du CPI, j'ai le droit d'analyser vos vidéos, vous verrez ça dans mon à propos. Donc c'est parti, on peut commencer. Alors, la vidéo n'a pas de miniature, hein. Si je clique bien, il n'y a pas de miniature, hein. C'est pas la vidéo, c'est vraiment un extrait de la vidéo qui a été mis au hasard. Donc, bon, bah, du coup, 0 point pour la miniature. Donc c'est parti, on va analyser maintenant le contenu. Alors, donc on est sur, donc, Mon Alpha est un pervers, Catch a Life épisode 1, avec 169 vues, sorti récemment, et avec un ratio de 95% de likes, pardon, c'est pas la même chose. Donc c'est parti, alors je sais pas s'il y a une intro, oula, déjà je remarque un très mauvais point au niveau du montage. Je crois que tu as fait un enregistrement d'écran de ton propre truc de montage pour pas avoir le gros Kinemaster au milieu de l'écran, même s'il est quand même sur le côté. Si tu fais ça, essaye de zoomer sur la vidéo, comme ça au moins on voit pas le truc soit en haut là. Soit le King Master et encore moins ça, tu vois, parce que c'est très dérangeant, encore moins les boutons en bas. Ok, bon là, il y a l'intro, je crois. Oh non, mais non. Non, non, pourquoi tu fais ça? Non. C'est pas en plus ta première vidéo, quoi. Tu m'aurais dit ta première vidéo, j'aurais été plus indulgent. Mais là, tu n'as pas vérifié au montage. Il faut que tu vérifies tout le temps ta vidéo à la fin, au montage, parce que là, sinon, ça va être quoi? Tu vois média comme ça, ça fait très bâclé, je trouve. Mais bon, passons. Tu dois être jeune et tu dois commencer le gacha, écoute. Alors, j'ai peut-être pas la musique, attendez, je vais voir ce que ça fait. Enfin, genre, elle a mis un son sur YouTube, je sais pas, sur une enceinte Bluetooth, et elle a enregistré avec son téléphone. Aïe, 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 oula. C'est pas top ça non plus, hein. Tu sais que tu peux télécharger des musiques facilement. Bon bah du coup je suis désolé, mais du coup je te mets un demi-point. T'en as déjà mis, c'est déjà pas mal, mais je te mets juste un demi-point du coup. Donc alors nous avons Betty, nous avons son frère je suppose, hein. Par contre aïe aïe aïe, oh, j'ai rien contre les gens qui ont des cheveux colorés, hein, mais ça ne fait pas réaliste. Moi je pense que je n'ai jamais vu de personne, à part quand c'est un cosplay ou une perruque, mais des gens avec des cheveux bleus. Non, ça ne se voit pas tous les jours. Certes, c'est Gacha World, mais bon, quand même. Ce que les gens aiment, c'est le réalisme dans le Gacha Life en ce moment. Donc, tu vois, là, c'est pas top. Ça fait très 2019, comme à l'époque où c'était très fantasy. Il y a le truc play et pause. Non, le truc de Kinemaster. Oh, oh non, mais non, mais c'est la totale. Oh non, là, t'as la totale, là. Oh non. Ah, je suis désolé, mais... Je peux te mettre des points très basiques sur le montage. Hein. Tu vas avoir un. Ça m'énerve parce que j'aime pas mettre des mauvaises notes, mais là ça commence mal. Hein. Bon, continuons. On va faire genre qu'on. Oh non. Ah non, mais là on a vraiment eu la totale. Mais j'ai l'impression qu'elle fait exprès, quoi. Attendez. J'ai l'impression qu'elle a fait exprès. Enfin, je sais pas. Non, voilà. Ça, c'est le truc de Gacha Life si les gens savent pas. Mais ça m'énerve énormément parce que. Enfin, je sais pas, quand tu fais ça, à la limite, quand tu vois que t'as le truc pour le son, plus le truc du Gacha Life, vraiment un conseil, tu recommences. Voilà, parce que. Enfin, ça fait ultra bâclé le travail. Et je pense pas que t'as envie de montrer ça sur ta chaîne, tu vois. Mais bon.
Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non! Mais non, mais faut arrêter, je veux bien une fois, je veux bien deux fois, mais quatre fois! Oh non! Oh mais non, mais cinq fois! Mais non, mais. Mais non! Non, mais non. Je demande pas la lune, les gens. Je demande vraiment pas la lune. Mais là, quand même, j'ai l'impression que c'est moi qui fais le montage. Parce que là, je vois le truc de la vidéo, la bande bleue, le truc play pause, et je vois le média en haut qui avec le son là qui change. Regarde, mais regardez. Non, 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 faut arrêter là par contre, s'il vous plaît, parce que vraiment, j'ai l'impression d'être passé un an avant. C'était exactement ça. Je tombe sur la même vidéo un an avant alors qu'elle date d'il y a maintenant que je rigole pas. Attends. Elle est bien nouvelle. Oui, 24 avril 2020, pas 2019, c'est pas la même chose. Bon, bah je vais commencer peut-être à m'habituer. Oula, il y a un petit défaut d'affichage. C'est très long, je vais mettre la vidéo en accéléré. Hop, 1.5, ça marche très bien comme ça. What? Mais non, mais non. Alors, là par contre, je suis désolé. Mais là, c'est au-dessus de mes espérances, je ne peux plus rien faire. Là, t'as même le truc qui charge, quoi. Bon, d'accord, ok. Bon, là, t'as le bug d'affichage. Ouais, niveau montage, il va vraiment s'améliorer. T'es mort? Mais, Mourad, mais... Oh non, j'ai vu deux trucs. Il y a le t'es mort. Je crois que là, je suis pas bien, je vais faire une crise cardiaque. Non, mais là... Vous voulez me buter, hein. Les gens. Regardez-moi ce chat. Mais quand tu ne sais pas écrire un mot, quand tu sais pas écrire un mot, tu regardes sur internet. Mais mon dieu. J'ai jamais vu un chat comme ça. Wesh. Oh putain, en plus avec le bug d'affichage. On dirait que la vidéo est glitch. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Wesh. Mais regarde-moi ses yeux, mais regarde-moi ce mec, quoi. Oh là là. Quoi? Non, j'ai vu quoi là en fait? Non. Véronique, faites un infarctus. Maman, dis-moi quelque chose. C'est au-dessus de mes espérances. Je ne peux plus rien faire. Laissez-moi en paix. Je ne peux plus rien faire. Ouvrez un dictionnaire. Ouvrez un Becherel. Apprenez. Apprenez des mots. Apprenez à écrire. On vous a pas écrit. Tu vois, je gueule tellement fort que je commence à parler aigu. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. En vrai. Quoi? Mais what the fuck? What the fuck, mec? C'est quoi, ça? En cours, JPP? Mais pourquoi JPP? Alors déjà, il y a un truc que tout le monde se trompe. Ne mettez jamais d'abréviation dans vos putains de bulles. C'est très important. Et vous allez me dire, ouais, et tout, c'est plus simple, je sais. Mais ça fait bâcler. Et c'est vraiment un conseil que je vous donne. Hein. Mais en cours, JPP avec des smileys. Pff, voilà, avec tout ce que je vous dis. Je ne peux plus rien faire. Intéressant? Comment ça, intéressant? Ah bah oui, mon alpha est un pervers. J'avais oublié, enfin. Oh non, mais c'est bon, là. Non, mais là, j'ai eu ma dose. Mais c'est pas croyable. Putain, j'en ai marre. Bah ouais, j'en ai ras le cul un moment. Enfin, c'est chiant. J'essaye de garder mon sang-froid, j'essaye de pas insulter, mais là, ça commence un peu à me faire chier. C'est illisible. Tu vois un truc ici. Enfin, à un moment, faut se relire. Faut faire une vérification dans le montage. Bon. What the fuck? Ok, elle va sortir au fond. Vous voulez que je meure deux fois? Prenez à écrire, mon dieu, mais s'il vous plaît. Mais je ne sais pas quel âge a cette personne. Mais pourquoi Mais même, regarde, j'ai même pas regardé ça, asseoir. Mais regardez-moi, mais maman, faut... Mais je sais pas, apprenez les verbes. Je suis désespéré. Putain, la langue française, bordel!
fait son cours putain de JPP. Je crois que... je ne suis pas qualifié pour regarder et analyser ce Gacha Life. C'est au-dessus de mes compétences. Je crois que là... Non. Je suis désolé, mais là, en plus, on est à la fin, quoi. Vraiment, je crois qu'il est vraiment que dalle, quoi. Monsieur principal, me voilà, regarde. Mais regarde mais... Donc, si je devais dire une chose avant de commencer le jugement, apprenez à écrire, les gens, c'est très important. Vous n'aurez pas de boulot sans ça. Vous ne saurez pas écrire un CV sans ça. Donc, c'est parti, on passe au jugement maintenant. Donc je rappelle le barème qui est très simple, donc nous avons 3 points sur le montage, 8 points sur l'histoire et l'originalité, et nous avons aussi 1 point pour la musique, 3 points pour la miniature et 5 points pour l'orthographe. Allez, c'est parti. Je crois que normalement je pourrais même pas donner 1 point pour le montage, parce que vu ce qu'on s'est foutu de ma gueule, je crois que je pourrais même pas en mettre, mais je vais mettre un demi-point. Histoire et originalité, on a voulu mélanger deux univers, je te mets un point. Je te mets 2 points parce que sinon ça va te niquer la note. Orthographe, je te mets 0. Logique, fallait aussi s'en douter. Hein. Pourtant là, tu vois, elle écrit bien. Mais il y a des fois, faut arrêter. Ouais, je te mets 1 point pour l'orthographe, c'est bon. Mais, parce que je veux pas être cruel non plus, tu vois. J'ai pas envie que les gens disent, ah oh ouais, Spichy, c'est un gros connard, il fait que critiquer les gens. Non, j'ai pas envie qu'on me dise ça, tu vois. Donc ça fait 4 sur 20. Ça fait 4 sur 20, ouais. Et là, j'ai l'impression de rentrer exactement dans l'appréciation, aucun effort. Alors, si je vois qu'il y a quand même un petit effort en mélangeant deux univers, donc je mettrai quand même pas cette appréciation-là. Mais quand même. Me dites pas qu'elle a pas vu ça. J'en prends un moment de la vidéo, je tombe dessus, regardez. Me dites pas qu'elle a pas vu ça. Me dites pas qu'elle a pas vu le truc de chargement. Là, j'ai l'impression, très clairement, qu'on se fout de ma gueule quand je regarde cet épisode. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé encore d'avoir gueulé. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.